savez, j'ai tellement changé. Je dis à Dave parfois... Je veux dire, cet homme doit sentir qu'il a été marié à 20 femmes à travers nos 48 ans de mariage. Parce que je veux dire, j'étais vraiment une cinglée quand nous nous sommes mariés. Et... j'ai tellement changé depuis. Et oui, je pense que je pourrais me mettre ici à dire « j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci ». Mais vous savez quoi, les quelques petits trucs pitoyables que j'ai faits. Nous sommes finalement arrivés au point où nous disons juste « c'est Dieu ». C'est juste Dieu. C'est juste Dieu. Mais j'ai dû apprendre à vivre et siéger. Et si j'allais à une réunion et j'écoutais un message sur la bouche, et même si je priais, « Dieu, je ne peux pas le faire toute seule, aide-moi. » Et je me lève le matin suivant et je médite sur l'Écriture. « Oh mon Dieu, que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient acceptables devant toi. Occupe-toi de ma bouche pour que je ne pêche pas contre toi avec ma langue. » Je sais que la parole est la puissance. Mais cela ne me garantit pas que je ne ferai pas d'erreur avec ma bouche en ce jour. Et quand je le fais, je peux continuer tout de suite à siéger. Oups! Parfois, vous manquez presque votre siège. Je peux continuer à siéger. D'accord, Seigneur, mon cœur ne voulait pas faire cela. Je suis désolée. Tu connais toute parole de ma langue qui n'a pas été prononcée. J'avais un plan de garder ceci aujourd'hui, mais peut-être que ce serait mieux dans ton plan complet que je vois ma faiblesse aujourd'hui. Peut-être que si je le fais trop bien, je serai trop fière.